Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Lecture du livre du prophète Isaïe.
C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous es-tu erré hors de ton chemin? Pourquoi laisser ton cœur s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu. Les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi agir ainsi pour celui qui l'attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom. Nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Fais-nous revenir, que ton
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le propos de la parole de Dieu pour aujourd'hui n'est pas très compliqué. Veillez. Je pourrais m'arrêter là, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. La parole de Jésus est extrêmement claire. Veillez. Mais enfin bon, il faut quand même commenter plus amplement. Alors, les pandémies ont un avantage, c'est qu'elles nous forcent à sortir de la routine. C'est le moins qu'on puisse dire. Plus rien n'est normal dans notre vie.
tout est transformé. Enfin, beaucoup de choses. Enfin, j'ai l'impression. À chaque fois que je dois sortir, il faut que je fasse une dérogation, enfin une attestation dérogatoire, en cochant la bonne case et tout, et voilà. Ça transforme un peu le quotidien, quand même. Ce n'est pas très confortable, mais au moins sommes-nous sortis de la routine. On voit bien d'ailleurs que cette messe n'est pas tout à fait comme les autres, par exemple. C'est une drôle de façon d'entrer dans l'avant. Eh bien, c'est peut-être une façon pour nous, enfin une leçon, pour entrer dans l'avant. Ce qui nous est proposé dans ces temps de préparation particuliers, comme l'avant, le carême, eh bien, c'est de sortir de notre routine. Et puis voir Dieu déjà à l'œuvre dans toute notre vie. Quelle est la parole que Dieu nous dit à travers ce que nous sommes en train de vivre? Parce qu'il y a forcément une parole de Dieu à travers ce que nous vivons. Dieu n'est pas extérieur à ce que nous vivons pour toute notre vie. Le souci se trouve dans notre refus de changer. Nous avons comme idée qu'il faudrait revenir à notre vie d'avant, le monde d'avant. On va retrouver nos sorties, les bars, le cinéma. Bon. Alors, est-ce que nous allons fêter Noël comme d'habitude ? Oui, heureusement, parce que le jour où on commence à se dire qu'on fête Noël comme d'habitude, en fait, on a un problème. Si on a l'habitude de fêter Noël, on est mal barré. C'est pas tellement possible. Ce serait une catastrophe de fêter Noël comme d'habitude. Comment s'habituer à fêter Noël ? Au contraire, quelle est la chance, l'opportunité que le temps donné aujourd'hui m'apporte pour que rien ne soit plus comme avant ? C'est bien ça. Non, c'est... on voit bien hein, que ah ouais c'est bien, mais en même temps ça va pas être si simple. Cet état d'esprit peut nous mettre dans cet état de veille confiante que le Christ nous demande. Attendre le Christ de façon active à travers notre vie quotidienne, en étant prêt à changer. À vivre paisiblement, joyeusement, le plus possible, les changements qui nous sont proposés. Je pense, il y a Lydie qui a le masque que moi j'avais pas encore vu, les masques qui ont été faits pour la première communion, avec une coupe et puis le pain. Et c'est une très belle façon de transfigurer la difficulté de ce que nous avons à vivre, et à la fois de la marquer et en même temps d'en faire quelque chose. Je trouve ça... c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'on peut essayer de trouver. Nous n'attendons pas de Dieu le confort de continuer nos vies sans arrêt et de façon habituelle. C'est un fantasme. Alors d'abord, c'est de toute façon impossible, hein. Nos vies, elles sont parfaitement imprévisibles. Et on a trop tendance dans nos sociétés riches à penser que nos vies, demain ce sera comme aujourd'hui et comme hier. Et voilà. Or, c'est radicalement faux. Et puis ensuite, pour la richesse de nos vies, il est bon que nos vies soient toujours à vivre pleinement, à vivre. Pas comme une habitude. Moi, j'ai l'habitude de vivre. Pas très passionnant.
Nous attendons de rencontrer Dieu, dont la puissance ne laisse pas pierre sur pierre du monde dans lequel nous vivons. Ça, c'était l'intérêt de toutes les lectures qu'on a eues sur la fin du temps ordinaire, avec l'Apocalypse et tout, où Dieu balance des énormes roches dans les océans, où ça noie tout, et voilà. Toutes les réalisations humaines. Et c'est pour notre bien. Nous attendons un renouvellement de nos vies. Il faudra que le monde ancien s'en aille pour qu'advienne du nouveau. C'est ce qu'on a à la fin de l'Apocalypse, hein, avec la mer et la terre qui s'enfuient, qui laissent place à un monde nouveau. C'est ce que nous attendons en veillant. Et ben, c'est notre espérance. Alors, on voit bien d'ailleurs que ça va beaucoup plus loin que la simple attente de Noël. Le temps de l'Avent, la préparation à la fête de Noël, c'est un moyen de se préparer à la venue du Seigneur, globalement. Nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Dans le monde, les chrétiens ont comme rôle de veiller dans la prière. Alors nous le manifestons en faisant monter notre prière vers Dieu en faveur de l'Église universelle et du monde dans ce temps qui commence, temps de l'attente du Seigneur. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants.
Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Prions pour l'Église. Toujours les mots adaptés pour communiquer ta bonne nouvelle, ta belle promesse de bonheur à un monde qui est confronté à de multiples crises. Que la tâche qui revient à l'Église d'ouvrir à la joie le monde soit pleinement prise en compte et ne soit jamais négligée par aucun des ministres de l'Évangile. Prions pour ceux qui sont différents de nous. Dieu, tu aimes tout homme, sans distinction. Donne à tous ta lumière et ta vérité. Que tout homme puisse entendre ton appel au bonheur et marche sur tes voies. Elles mènent à une vie meilleure, une vie où la mort n'a pas le dernier mot. Une vie remplie de la joie de te recevoir. Prions pour ceux qui cherchent le bonheur. Noël approche. Toute la société prépare les fêtes de fin d'année. Seigneur, que ta parole renouvelle la foi de tous les baptisés, qu'elle touche le cœur des gens de bonne volonté et de ceux qui veulent prier, qu'ils se laissent enseigner par toi, éduquer par tes appels. Prions pour notre communauté. Que l'approche des fêtes soit pour chacun un temps de préparation dans la sérénité, un temps de recueillement qui favorise la réconciliation et la paix. Que ceux qui sont au service des malades soient prophètes d'espérance, avec une pleine conscience de la joie qu'apporte l'enfant divin. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Seigneur, que s'élèvent nos prières, qu'elles montent vers toi, ô Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voici maintenant le moment de l'offertoire. Donc nous faisons la quête dans l'assemblée. Et ben, vous pensez bien chez vous qu'il y a moyen de donner avec la quête en ligne ou de passer sur la quête prélevée.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ce que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque administrateur Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Déjà unis dans l'Esprit Saint, nous disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. » Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, en respectant les gestes barrières et dans la charité du Christ, eh bien, donnez-vous la paix. Et puis, chez vous, vous n'avez pas besoin de gestes barrières pour vous donner la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Fais fructifier en nous, Seigneur, l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du côté des annonces, vous avez dû recevoir par mail le lien pour l'itinéraire vers l'espérance, donc avec un petit enseignement et des témoignages, donc sur la chaîne YouTube de la paroisse. Voilà. C'est Régis Grosperrin qui dirige ça, et avec l'aide de paroissiens des deux équipes d'animation pastorale. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouvelles ? Donc oui, nous garderons au moins jusqu'au 15 décembre la messe enregistrée le samedi matin, comme on l'a fait aujourd'hui, avec une assemblée. Donc n'hésitez pas à vous inscrire aussi pour la messe le samedi matin. Parce que là, on a encore de la marge. Et puis... qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? J'oublie. Eh ben, donc oui, les messes en semaine reprennent intégralement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Donc si vous ne pouvez pas venir le dimanche, pensez bien que voilà, les messes en semaine sont maintenues. Et donc, c'est assez facile de s'organiser pour venir communier en semaine. Bon, je remercie toute l'équipe, ceux qui participent à la mise en œuvre de ces messes. Préparez-vous à recevoir la bénédiction solennelle. Vous répondrez trois fois « Amen » plus une quatrième. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide en toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.